Alors, on est parti. En loup-garou. Les loups-garous en ligne. On est 8. La carte spéciale VIP qu'on peut utiliser, c'est le chaman. Et je suis chasseur. Il y a deux loups-garous. Personne n'est mort. Alors généralement, c'est la sorcière qui sauve quelqu'un. Il est aussi possible que le loup-garou ait voté pour deux personnes différentes. Et dans ce cas, ça fait des dégâts. Alors, je pense qu'il n'est pas loup-garou. Parce que je joue un peu pareil, j'accuse les gens d'habitude. Alors, je dors la nuit, je sers pas à grand chose. Oh, ouais. J'ai quand même dit que j'étais chasseur. Mais bon, il y en a qui sont pas très bons. Il parle énormément. Et moi, Hydro, j'ai déjà dit, t'avais qu'à lire. Ah. Attends, s'il te plaît, j'écris. LG. Non, maître, il écrit, je suis probablement loup. Oui, toi, je sais. Ouais, bah alors à qui il parlait? Et toi, Hydro? Hop. Ouais, mais il est peut-être simple villageois. Si c'est simple villageois, je vais taper sur Strix. Alors, on va supposer ça. Hop, il était chaman. Pour l'instant, il servait à rien. Donc, Krokosk, il a dit qu'il servait à rien pendant et qu'il se réveillait pas pendant la nuit et qu'il servait à rien. Il n'est pas Cupidon. Et il en reste 3 à vrai dire où j'ai pas eu de rôle supposé. Hein? Chatty, la sorcière s'est fait tuer et Dwin aussi. Dwin qui était simple villageois.
Alors là, le problème, c'est qu'il y a deux loups-garous. Alors, bah moi je pense que c'est Coco parce qu'il a dit qu'il se réveillait pas pendant la nuit et qu'il servait à rien et que il reste les loups-garous, la voyante, voyante bavarde qui. En fait, la voyante, elle est. Non, elle est pas bavarde, c'est pour ça qu'on n'a pas les. Non, 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 Mia, n'écoute pas. Vote pour moi pendant que lui, il vole. Vote Isoriel. Histoire qu'on ait une chance de gagner. Bon, faut que Miraska soit embrouillée. Ah non! Non, 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 non! Je veux pas mourir, moi. Isoriel, elle me sacrifie. Elle veut pas mourir en première. Ah, si elle swap au bon moment, là. Allez, vote ninja. Ah! Trop bon. Elle a changé à la dernière seconde. Ah, c'est extra ça. Mais quelle idée de voter pour soi en se disant oh comme ça équilibre, on prend un peu plus de risques, on en tue un pendant la nuit et on fait pas de mort au village. Bon là, au cas où Isoriel ne connaîtrait pas tous les rôles, elle peut espionner quelqu'un. Et malheureusement, elle a bien voté. Là, le problème, c'est que si elle vote contre moi, je vote contre elle. Si jamais enfin moi je pourrais la tuer, mais je suis pas sûr que ça compte comme un match nul. Parce que je vais mourir. Ah mince. Elle a voté sur finir vite.
Si je peux la tuer au vote, hein. J'aurais dû cliquer avant elle en fait. Donc là, on va cliquer avant la fin. On fait genre, oh, on clique pas, et tout d'un coup, hop. J'espère qu'il va pas finir la partie si c'est moi qui meurs. Hop. Ah! Elle a fait comme moi. C'est pas fini. Pan! Tout le monde est mort! Ah si si, c'est bon, il y a ex aequo. Du coup, on a tous perdu du talent. Oh, ça craint ça. J'ai perdu du talent alors qu'il y a eu ex aequo, mais comment ça tout le monde perd du talent? Même ceux qui étaient en dessous de 1000. C'est triste. Bon, tant pis. Il m'a vraiment fait rire, Cockles. Moïse Auriel, elle joue bien. Et les autres, on les a pas vus très longtemps, en fait. Donc, voilà. Et ben, j'espère que. Ah, j'ai déjà fait des parties sans aucun survivant. Même peut-être jusqu'à 3 ou 4. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous invite à en regarder d'autres sur ma chaîne si ça vous plaît. Sinon, n'en regardez pas, hein. Vous faites pas, vous forcez pas. Et je vous dis à bientôt probablement.